Aujourd'hui, épisode un peu spécial. En vrai, chaque épisode est spécial. On part au Japon pour découvrir un artiste et une méthode de dessin absolument révolutionnaire. Hey, j'espère que tu vas bien, je suis Mathéo et sur cette chaîne, on parle d'art, mais pas que. Prépare-toi, car ce que je m'apprête à te montrer, c'est ce que j'ai de plus précieux dans ma bibliothèque. Voici mon trésor, Ryakugashiki. Ryakugashiki, ça veut plus ou moins dire méthode de dessin abrégée. C'est une méthode de dessin créée par Keisai à la fin du XVIIIe siècle. Kugawata Keisai, Kitao Masayoshi de son vrai nom, est né à Edo en 1764. Il a pour maître l'artiste Kitao Shigemasa, avec qui il va apprendre le style ukiyo-e. Ukiyo-e, ça veut dire image du monde flottant. C'est un terme tiré de la tradition bouddhiste qui fait référence à l'impermanence de toute chose. En gros, rien n'est éternel, tout change, tout le temps. C'est un mouvement artistique japonais célèbre entre le début du XVIIe et le milieu du XIXe siècle. Durant cette période, le Japon vit dans une relative paix. La société est plus stable politiquement. L'aristocratie guerrière est peu à peu remplacée par une bourgeoisie urbaine et marchande. Le style ukiyo-e valorise des sujets issus de la vie quotidienne, lutteurs sumo, croyances populaires, courtisanes, scènes érotiques, etc. L'impermanence que ces images présentent, c'est d'une certaine manière la vie en train de passer à l'instant sous nos yeux. C'est un style de peinture, mais surtout d'estampe. On grave les motifs sur du bois, ce qui permet de les reproduire à une échelle importante et à moindre coût. Bien qu'habité par une profondeur philosophique, c'est un style assez mal vu par l'aristocratie japonaise. Il est considéré comme vulgaire. Les Occidentaux en raffoleront pourtant à partir de la moitié du XIXe siècle et cela aura une influence considérable sur l'art occidental. Ce style est en effet à l'origine du japonisme, un mouvement français puis européen. Pissarro, Cézanne, Gauguin, les impressionnistes, ils sont nombreux à les avoir admirés, ces estampes. Kitao Masayoshi change de nom et se fait appeler Keisai vers 1790. Ce changement de nom veut dire beaucoup. En effet, à partir de ce moment, son style graphique évolue considérablement. Il lance un nouveau genre, le Ryakugashiki. L'œuvre de Keisai, c'est surtout un ensemble de livres pour apprendre à dessiner. Selon Keisai, le but de ses dessins abrégés n'est pas d'offrir des formes, mais l'esprit de ce qu'ils représentent. Pour représenter l'esprit des choses, Keisai simplifie les formes. Il va à l'essentiel. Ça paraît simple, mais en vrai, c'est une sacrée gymnastique de l'esprit. On parle quand même de reproduire l'essence du sujet avec seulement quelques traits. La méthode est composée de 6 albums. Le premier album s'appelle Ryakugashiki. Premier album de la méthode, il contient le style de dessin au moment où le maître vient de l'élaborer. C'est le point de départ du programme. Ce premier album est un véritable succès commercial. Quelques pages sont consacrées aux plantes, paysages et animaux, mais l'humain reste le centre de l'attention de l'artiste. Il contient beaucoup de figures humaines, tirées de la mythologie japonaise, mais aussi et surtout de la vie quotidienne. D'autres albums suivront pour compléter ce premier ouvrage. Le deuxième album, Shōjū Ryakugashiki, un album consacré aux animaux. La petite histoire raconte que Keisai disposait d'une demi-journée de repos. Il se demandait comment en profiter, agréablement. Un ami prit un dictionnaire et lui dicta à voix haute des noms d'animaux. Keisai les dessina, les uns après les autres. Des milliers de feuilles s'accumulèrent pour former ce recueil. Cette histoire, légendaire ou pas, met l'accent sur un fait indéniable. Keisai manie le pinceau comme personne. Le troisième album, Jibutsu Ryakugashiki. Cet ouvrage rassemble des dessins qui n'avaient pu être publiés auparavant. Ce sont principalement des figures humaines. Des spécialistes considèrent que se trouve ici la quintessence de l'art de Keisai. Le quatrième album, Sansui Ryakugashiki. Ici, le paysage est à l'honneur. Keisai y évoque près de 50 endroits célèbres de la ville d'Edo. Puis il nous fait voyager sur la grande route du Tokaido, avec parfois des petites sorties sur des chemins secrets. Le voyage se finit à Kyoto, la capitale impériale. Il semblerait que Keisai soit allé sur place pour réaliser ces paysages,
Cela paraît anodin, mais plus tard, des artistes comme Hokusai copieront, mais d'après des illustrations, le cinquième album, le Koto Waza Gaen, ou Jardin des Proverbes. Cet album est en quelque sorte un des premiers livres auto-édités. En 1802, l'éditeur de Keisai lui commande un recueil avec des poissons. La première version comprend des haïkus, mais quand il est réédité, les poèmes ont disparu. Keisai est profondément affecté par ce choix éditorial. Il décide de publier à titre privé son album. Un album illustrant 150 proverbes. Voici comment commence le voyage. Depuis toujours, on a évoqué des proverbes par le dessin. Mais cette fois, j'y adjoins des maximes mystérieuses, en usage aujourd'hui, qui n'apparaissent pas sur d'anciennes représentations, afin de constituer un petit livre des proverbes que j'ai rassemblés. Ils agencent la pluie estivale d'autrefois et les jeunes pousses de saule en un seul épi. Texte du vénérable Keisai, assis à sa fenêtre, en une fin de longue journée, fait le troisième mois de l'année du dragon, associé au frère aîné de l'élémentaire, c'est-à-dire en 1808. Enfin, le dernier album, Ryaku Gaen, le jardin des dessins abrégés. Un ensemble de traditions et d'activités associées aux 12 mois de l'année. Avec Keisai, nous voyageons à la fois dans l'espace et le temps. J'aime beaucoup cet artiste parce qu'au-delà de la finesse de ses traits, on peut apercevoir la finesse de son esprit. Avec lui, l'art m'apparaît comme une voie à suivre pour mieux appréhender le monde, un chemin mystique. Les dessins abrégés n'offrent pas des formes, mais de l'esprit. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de découvrir cet esprit derrière les dessins. Peut-être même de t'y mettre, toi aussi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je t'invite à jeter un œil à la description juste en dessous. J'y ai mis un lien vers une vidéo secrète que tu ne trouveras qu'ici. C'est quelque chose de très intime que j'ai tourné la semaine dernière, rien que pour toi. À bientôt.